antenne dans une minute. Oui, je suis là, je suis sur le plateau dans 30 secondes, j'attends juste le communiqué. Merci. Tiens. Je viens d'arriver. Tout juste, faut que tu cales quelques mots à la fin du journal, on n'a pas eu le temps de faire une séquence. Et c'est quoi, c'est une sorte de test, c'est ça? Bon, en gros, je t'explique. C'est des scientifiques français qui ont trouvé un moyen de quantifier l'amour. T'es en couple, tu passes quelques analyses, tu fais quelques tests, et ensuite, ils sont capables d'analyser, de quantifier ton amour, quoi. D'accord, d'accord, mais moi, j'ai besoin de mettre du concret là-dedans. C'est bon, là, ça va? Oui. Bon, et le gouvernement a autorisé le truc, on peut faire le test. Justement, Patrick veut que tu parles de ça. En gros, on cherche des volontaires pour faire les premiers tests, et si ça se passe bien, eh ben, ce sera autorisé pour tout le monde. Antenne d'Andy. Ok, ok, bon, je vais pouvoir nous caler ça, c'est bon. Merci. 5, 4, 3, 2... C'est autre qui fait le buzz? Ah oui, le test d'amour. Ouais. Ouais. Tout le monde en parle. Ouais, c'est vrai. Tu veux le faire? Quoi? Tu veux faire le test? Non. Je disais ça comme ça, je t'en parlais. Moi, ça me dérangerait pas, mais. Comment ça? Bien là. Oui, t'es très bien. Ouais. C'est-à-dire quoi? Mais bon. Mais bon, si j'étais pas sûre de notre couple, je t'aurais pas demandé en mariage. Je sais. Mais c'est, les gens le font pour le fun, enfin tu vois, c'est... Ouais, oui, comme tu veux, non, ça m'est égal, On y va? Ouais. Allez hop. Ok.
Veuillez répondre aux questions suivantes instinctivement le plus rapidement possible. D'accord. Nom, prénom. Ferrand Milo. Profession. J'essaie d'écrire un livre. Profession. Écrivain. Croyez-vous en l'amour? Oui. Croyez-vous en l'amour éternel? Oui. Distinguez-vous l'amour de l'affection? Distinguez-vous l'amour de l'affection? Oui. Vos parents sont-ils encore ensemble? Oui. Avez-vous déjà été infidèle? Non. Avez-vous déjà pensé à être infidèle? Non. Avez-vous déjà pensé à être infidèle? Non. Vous considérez-vous comme possessif? Non. Vous considérez-vous comme possessif? Non. Montez-vous souvent à votre amant, à votre amante? Non. Avez-vous des choses à cacher? Non. Avez-vous des choses à cacher? Non. Avez-vous des choses à cacher? Non. Merci. Ça va, ça a été? Ouais. Ça m'est passé. Tu passes bientôt? Ah, c'est bon, je l'ai fait. Faut attendre le médecin, là, j'ai pris mon ticket. Ok. Alors, on a les résultats. Enfin, les estimations. Les quoi? Les estimations. Alors, je vous explique, hein, ces tests ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Hein, en tout cas, pas pour l'instant. Et les résultats reflètent l'état de l'amour que vous portez l'un à l'autre. À ce jour. Les résultats peuvent être différents si vous revenez demain, par exemple. Hein. L'amour varie constamment, c'est pas une valeur linéaire. Hein. Vous comprenez? Oui. D'accord. Alors, ce que j'ai sous les yeux, c'est le résultat gracieux, hein, c'est le résultat simpliste des analyses. Pour pouvoir avoir des résultats beaucoup plus complets, il y a des frais supplémentaires d'analyse en laboratoire, etc. etc. Donc, d'après ce que j'ai sous les yeux, écoutez, pour moi, ça a l'air d'aller. Hein, vous vous aimez, ça, il n'y a pas de doute. Je peux pas vous dire à combien de pourcentage, par exemple, madame aime monsieur ou monsieur aime madame. Pour ça, bah, il faudrait avoir les résultats complets. Mais donc c'est bien. Mm-hmm. C'est bien, les résultats sont bons, quoi. Ah oui. Alors, le seul détail, c'est qu'il semble y avoir une tierce personne dans votre histoire, là. Comment ça? Alors, j'ai dit, il semble y avoir une tierce personne. Hein. J'ai compris, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un de vous deux, comment dire? L'un de vous deux exprimerait de l'amour pour une tierce personne, une autre personne. Qui? Ah ben, je sais pas. Pour plus de détails, là, il faudrait avoir les résultats complets. Ça peut pas être un bug? C'est combien? Alors, étant donné que le test n'est pas encore public, là, vous bénéficiez de la formule la plus accessible, hein. Celle où les recherches sont faites sur le temps libre des chercheurs. Vous aurez un résultat dans les 3 mois, on va dire. En revanche, vous avez la formule plus complète, comme celle-ci, hein, qui, là, vous permet d'avoir un résultat complet en seulement quelques heures. Hein, vous voyez, donc là, il y a la charabia médicale, puis la synthèse très claire qui vous permet là, d'avoir un résultat... C'est combien de, la formule c'est 1500 euros. Je peux te parler 5 minutes? C'est celle en 3 mois, là. Ah bah c'est celle-ci, 1500 euros. Ah non, la formule express, c'est 6000 euros. Ah bah merci beaucoup, mais on va s'en passer. Pourquoi on s'en passerait Bah parce que ça représente le budget de notre mariage, voilà. Pourquoi? Mais non, ce test n'est pas fiable, ça sert à rien. Oui, maman? Oui, comment les amoureux? Ça va et vous, Nicole? Oh oui, tu sais, nous, ça va toujours. Hein. C'est Milo et Florent. Ah, coucou, les chéris. Coucou. Oui. Ça va bien? Ouais. Oui. Vous voulez quoi? C'est juste pour savoir si tout se passe bien, si vous avez reçu l'argent pour le mariage. Et oui. Vous êtes prêts, tout ça? Oui, merci beaucoup. Ouais, on prépare bien, là. On a presque fini. Voilà, on est en voiture, là. On est sur la route. Soyez prudents.
hein. Voilà, on vous rappelle ce soir. Hein. Oui. Au revoir. Bisous. Pourquoi t'es méchant comme ça avec eux? Bah, je suis pas méchant. T'es pas méchant? Ils mettent la pression, c'est tout. Hein? Ça va, ils demandent 2-3 nouvelles, c'est bon, on peut leur en donner, c'est eux qui payent tout le mariage. Mais si, oh, vous voyez pas, c'est l'acteur qui joue dans Game of Thrones et il est aussi dans Le Seigneur des Anneaux, Sean Bean, voilà. Et ben Sean Bean, il meurt dans tous les films. Il meurt et il meurt super bien, Sean Bean. On l'a vu quoi récemment au cinéma? Je sais pas. Dorian, elle m'emmène voir des films, mais je m'endors donc. Ouais, ça va, madame, j'aime que les Transformers. C'est pas vrai, le dernier, j'ai pas aimé. Ouais, enfin, moi je te parle de vrai cinéma. Et puis c'est pas parce que c'est lent que c'est nul. Non, mais moi quand je vais au cinéma, j'aime me divertir, pas réfléchir, réfléchir, c'est comme ça. Pas de quoi pour la vie. Je vais aux toilettes. Pourquoi pas? Avec son charme très atypique. C'est vraiment une perle rare dans le domaine de la réception. On pensait mettre la grande scène à droite, à côté des portes et des tables un peu partout dans la salle, qu'on enlèverait ensuite pour laisser place au dance floor. D'ailleurs, vous me passiez le numéro du DJ dont vous m'avez parlé, que je prenne ses coordonnées. Voilà le panneau qui est arrivé aujourd'hui. Et c'est tout pour le check d'aujourd'hui. Alors ça va? Pas trop stressé? Là, on n'a pas le temps d'être stressé. Hein. Ah oui, c'est normal. Je comprends. C'est quoi ça? Quoi? Ton rire là et ton sourire là, c'est nouveau, c'est focus, c'est quoi? De quoi tu parles? Ah non, tu me fais ça depuis des semaines. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le lieu qui te plaît plus? Tu repenses encore à ton ex? Ah. Quand il était en boîte, je t'ai vu avec lui. Il était là, Milo, j'allais pas l'ignorer. C'est pas lui qui t'envoie des SMS toute la journée par hasard? Mais ça a plu, toi. Hein, et maintenant tu caches ton téléphone, ça c'est nouveau? Ça va avec le rire, le sourire de merde? C'est à cause du test? Tu me prends la tête à cause des résultats? Mais bien sûr, à cause du test. Les résultats scientifiquement prouvés, bien sûr. Mais Lou, le gars l'a dit, c'est une première version. T'es con ou quoi? Écoute. Ne prends pas en compte ces tests. Je te jure, je vois comment toi tu peux... t'imaginer des... C'est pas ce que tu crois.
se fait? Tu sais tout, là? Tu veux savoir autre chose? Vas-y, pose-moi des questions, je t'écoute, là. Je voulais te l'annoncer pendant le mariage. Ça aurait été beau, non? Ah non, non. Non, parce que si monsieur sait pas tout sur tout, avec l'ego de monsieur, faut que monsieur fasse sa crise, hein. Parce que monsieur a toujours eu tout ce qu'il voulait, et moi, par contre, on s'en bat les couilles, hein. Je peux aller me faire foutre. Tu t'es demandé une seule fois comment je vivais le mariage, la pression, l'organisation? Tu m'as pas demandé une seule fois comment ça allait. Je me sens comme une merde, voilà, à devoir dépendre de toi et de ta famille, parce que c'est eux qui paient tout. Je me sens comme une merde à pas pouvoir t'aider à écrire ton bouquin, à pas t'inspirer. Mais toi, tout ce que tu trouves à faire pendant cette période, c'est passer un putain de test pour savoir à quel point on serait compatible. Je sais pas ce que ça veut dire, ce résultat, une tierce personne, j'en sais rien. Peut-être que parfois, oui, je pense à mon ex avec qui j'ai passé 6 ans de ma vie. Voilà. Parce que c'est une relation qui m'a aidée, qui m'a forgée, qui m'a construite. Mais c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de l'affection. C'est toi que j'aime. Je suis au maximum, là. C'est tout ce que je peux t'offrir. Tu veux pas de moi? Trouve quelqu'un d'autre. Monsieur, vos résultats. Personne. Oh.